Assez. Tu voulais un freestyle? Écoute. BOR, ça fait. Dis-toi, j'ai tellement de choses à raconter. Je viens pas me lamenter malgré les obstacles affrontés. Je dis pas, je suis loin d'avoir vécu l'enfer. Mais chaque fois qu'on m'a donné ma chance, je savais pas quoi en faire. En fait, ça a commencé depuis l'enfance. Je m'enfonçais, offensé par des problèmes de confiance. Moment de solitude, la t'y passe. Car y'a les jeunes comme toi et ceux qui sont sapés en Adidas. Pourquoi leur faire la grimace? Ça leur ferait trop plaisir. Si jeune et pourtant un cerveau en train de mûrir. Tu faisais le fier devant la cour, accompagné de ton père. Pendant ce temps, le mien se cassait le dos pour remplir le frigidaire. Issu d'une famille nombreuse, qu'en fin de mois rime avec difficulté. Connaître le sens des priorités sans ignorer le respect. Rester poli pour montrer que tes parents t'ont bien élevé. Maintenant, je vous crache à la gueule, je sais qu'ils ont rien à vous prouver. Bien sûr, je suis de ces jeunes qui fumaient la clope devant le collège. Inconscient dans ma tête, et dis-moi qui me protège de toute cette jungle qui m'entourait, moi et mes potes. 10 ans plus tard, je te parle de ça comme si c'était la vieille époque. J'étais ce gars qui rendait fou les profs, qui dormait au fond de la classe, qui enchaînait les heures de colle, qui essayait de trouver sa place, laisser sa trace, essayer d'être apprécié par les autres et choisir la bonne direction sans jamais se vautrer. J'ai enfermé tous ces mauvais souvenirs dans un tiroir, mais je sais qu'ils réapparaîtront dans le reflet du miroir. Devant les autres, je souris, mais seul je verse des larmes. C'est plus tard que je comprends que le savoir est une arme. Je me sens ivre, alors je cherche les problèmes. J'ai plus la force d'ouvrir un livre, non j'ai trop de flemme. C'est peut-être l'effet de la weed qui rend ma vie plus joyeuse. Je me sens libre, j'ai la mentalité joueuse. Je me suis mis à écrire des textes et je sais que rien ne m'attend. Qui m'atteint, mélancolique anonyme, je l'étais bien avant. 18 piges, je quitte le bahut, je taffe en attendant le chômage. Je me sers de mes bras, plus de ma tête, et c'est bien dommage. Le bahut, je taffe en attendant le chômage. Je me sers de mes bras, plus de ma tête, et c'est bien dommage. Bien dommage.